Eh bien salut à tous, c'est Axelus pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur South Park The Stick of Truth pour un nouvel épisode. Enfin, ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné, je me suis dit pourquoi pas en retourner un parce que je commence, enfin c'est pas que je commence à être au bourre, c'est que voilà quoi, South Park maintenant il n'y a plus trop d'épisodes parce qu'en fait habituellement en fait quand je tourne je me fais un petit stock de vidéos histoire que je puisse être tranquille pendant un moment. Et là, en fait, là, le stock était plus épuisé, puis j'avais pas eu trop le temps de... J'avais pas eu trop le temps de tourner une vidéo, donc... Enfin, de tourner une vidéo de South Park. Eh bien, excusez-moi pour cette petite ellipse qui est survenue complètement aléatoirement, là. Petite ellipse qui est survenue sans raison, bien sûr. Enfin, s'il y a des raisons tout le temps, mais bon. Je préfère les cacher, elles sont sombres et... Elles sont sombres. Voilà. Un poignard. C'est très bien ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous vend dans le shop? Donc je disais en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné du contenu en fait, surtout de South Park. Et oh! La lame elfique. Je suis niveau combien? Non, je suis niveau combien? Alors attendez. Je suis level 7, donc ce serait plus judicieux de prendre l'arme, déjà une attitude, on booste ça un petit peu. Ce serait plus judicieux, je pense, de prendre l'arme niveau 7, enfin niveau 8, je pense. Parce que comme ça, j'aurais déjà une marge d'avance. Parce que dans très peu de temps, j'aurais... Hop, et voilà. Ah, un arc plus balèze. Oh, écoutez, on est riche. Voilà. Je savais pas qui. Attendez, hop, putain. Oh là là. Équipement. Ah oh, non, c'est pas trop pour la classe, ça, en fait. Mais bon. Hop, hop. Et voilà. De toute façon, on remarque à ce stade du jeu, je suis un petit peu riche donc autant ne rien m'équiper. Alors, juste modifier ça, retirer l'arc Mongo m'aura bien servi. Mince, il est où l'autre? Il est là. Modifier alors 1-1-1-1. Donc là, ce serait chercher les trucs poison. Non, je préfère le garder pour mon autre. Pour notre arme. Non. Ajoute 15 de dégâts. Ouais. Ça. Et hop. Comme ça, au moins, si je fais une attaque parfaite, ça lui fera un masse de dégâts. Pas trop d'effet, malheureusement, mais. Alors. Que je regarde ce que je pourrais y mettre dessus. 20. Ouais. Je pourrais pas encore l'équiper d'ici pas beaucoup de temps. Je pense que je pourrais l'équiper donc. Donc voilà. Alors. Donc Team Express c'est fait. Qu'est-ce que nous avons là-haut? Donc là c'est un petit peu la découverte un petit peu. Donc ça va être un point d'observation comme dans. Comme dans le coup à qui no tricks, human. Non, ok. On a un point d'observation comme dans le coup à qui ça. Ouais, sur fait, ça mène aux montagnes, quoi. C'est pas très. Tandis que le coup à qui ça mène à la ville. C'est un petit peu dommage. C'est dommage. Bon, alors. Ouais, et aussi dans les raisons pour lesquelles je ne faisais pas trop de vidéos en ce moment, c'est parce que tout simplement je cherchais de quoi me. Enfin, c'est pas que je cherchais, c'est juste que j'étais en train de préparer des projets de vidéos, d'autres et tout, donc j'avais beaucoup de taf et. Enfin, de taf, on pourrait pas dire ça comme ça, mais bon, voilà quoi. En gros, je préparais pas mal de vidéos et.
Puis je préférais tout simplement prendre mon temps et puis préparer quelque chose d'autre. Et puis voilà quoi. Après, j'ai aussi ma vie RL, donc voilà. I Après, guess that's c'est cool. secret. Donc, alors là, on est dans la maison de. Enfin, dans la chambre de Kyle, qui est le juif. Le juif. Hop là. Tac. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous Ah! Les clés du garage des Borowski. Des Borowski. Lol. Non. Oula. Oula, petit lag. Excusez-moi. Un petit lag qui. Un nouveau message de Timmy. Oui, parce qu'on a débloqué la quête Timmy Express. On a enfin un Timmy. Et voilà. Attention, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Voyons un coffre. Ah, bien, tu peux comme et tiens toi. C'est par où déjà? Hop. Carte. Ouais, je sais où c'est, ouais. Non, il me faut un point de TP. Oh là là, mais c'est pas où? Ah, mais j'aurais carrément pu. Oh là là. Mais quel noob. Mais quel noob. Voilà. Oh, mais le... Oh là là. Il me faut un point de TP, s'il vous plaît. La maison. Et voilà. Et je vais me taper ici. Oh, Timmy. Ah, c'est une nouvelle. Et pourquoi je me suis cassé avant que le Team Express se barre? C'était bizarre. Mais en tout cas. C'est bizarre que je la goûte. Hein. Ouais! Donc en fait, là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai éclaté le verre qui protégeait la lampe. Et j'ai pété, donc du coup, en fait, ça a fait fondre la. Le bloc de glace qui entourait le. Oh. Qui entourait le tu peux comment yes un enfant en plus ça fait un peu glauque de dire ça voilà, voilà les clopes tenez moi je m'en fous des clopes it's the time to combat alors qu'est ce que j'ai comme invocation le fouet. It's the time. Tiens toi la pasta, je t'aime pas. Fracassé. Ah c'est dégueulasse. Ah j'ai oublié cette vocation. Donc juste pour information en fait, cette vocation fake en fait elle a un lien avec l'épisode kit de petite kit pour pute ou je sais pas quoi, c'était un épisode avec avec je sais plus qui c'est. C'était un épisode en fait, c'était un concours avec Monsieur Esclave et une fille, je sais plus qui c'est. Bah je sais plus, j'ai un trou. Avec Paris Hilton, voilà. Une parodie de Paris Hilton, c'était le un truc mais vachement fun. Vraiment que cet épisode je le recommande parce qu'il est totalement délire quoi, c'est un truc de fou. Alors normalement j'ai tout ce qu'il faut pour les gothiques. Donc normalement je peux aller les voir. Alors. Oh joy, it's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. Que je vois. You gotta admit, he looks better. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress, it's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Okay. Yeah. There's a big PTA meeting happening right now at the community center.
You need to walk right into the middle of that meeting and tape this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. It's okay. It's okay, my friends. Donc il faut que j'aille au... Il faut que j'y aille. J'ai vu comment ça s'appelle ce truc. Tout ce que je sais, c'est que c'est ici. Centrale communale. Centre communal. Et me semble-t-il qu'on va prendre un nouveau pied. Fuck the communiste. Le mec qui passe en réunion avec ça, le mec qui passe une personne. Parents, we've been assured by the builders that they are working to fix whatever problems they've encountered, and school should be able to resume soon. Resume soon? Who do they think they are? They think we're gonna see a Taco Bell's being more important than our kids' educations? What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name? Well, anyway, this child and I witnessed something last night. And I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff. This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't going to do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will. Come on! Come on! Ok, donc tout le monde s'en fout en fait. Je... Fuck the conformists. Why are they a good lay? Why don't you exercise your free speech at home, little boy? Don't be screwing around in here. Oh bon. J'ai du mal à parler, il a été bourré. I used to have a bad hoarding problem, okay, but I got past it. Now I can just throw things away. Would you mind throwing this away for me? I just need it thrown away somewhere very specific. I'll show you on your map. Okay. Ok, donc j'ai une nouvelle quête. Look, I know how you're feeling, okay? But this isn't gonna solve anything. We've got to get inside that Taco Bell and find out what's really going on. Help me with that and I'll help you with this. I saw you on the ship. You have pretty good control over your farts. Meet me in the bathroom. It's time for you to learn some real power. Il va prendre le vrai. Apprends-moi le vrai. It's the time. Tu vas prendre un nouveau mode. I can tell you have potential, but you are undisciplined. Let me show you what I mean. Come at me. Try and fart on me. Come on. Essaye de me péter dessus. Kia, you call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Non, j'ai plus compris c'est quoi le truc. On someone, you missed by a mile. Try again. Attendez. Kia, ah ouais, ok, c'est bon, je someone, désolé, hein, je... Je m'embrouille les touches. Mais non. Kia, you call that farting on someone, you missed by a mile. Try again. Allez. Mais non. Kia. J'arrive pas à péter, gros, c'est... Ouais. Hi, Cha. J'ai pété. Your fart's over there somewhere. Didn't come close. So, what do you do? Il ne m'a même pas frôlé, alors. You must learn to control your farts to move and release at a specific time and place. I'm going to teach you a fart called the sneaky squeaker. Maître Padadong. You will become your greatest ally. Don't believe me? Try and block my attack. See that?
C'est vrai qu'il dit je le paye, ça c'est vraiment toujours déliré. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Ouais. Oh, hey guys. Oh, Mr. Mackey. Now it's your turn. Use sneaky squeaker to distract Mr. Mackey from the corner there. It's the time to lâcher une caisse. Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. Chipmunk! Very. Le pauvre il s'est éclaté quoi. Tout mais qu'il a rien demandé. Find out what they're up to and report back here. And no matter what happens, never fart on anyone's balls. Got that? All right. Now go. Ouais. I hope you haven't already fallen in with a bad crowd. That's all you've got. If you're trying to be the biggest fuck up in your class, you've got a lot of competition. Ok. Non, non, j'ai plein de quêtes, j'ai plein de trucs à faire. What's wrong with your nose? Oh. Alors, I. Non, non, j'ai une quête. Maintenant que vous savez utiliser, faut filer où? Le sentier. Oh là là. Sur le sentier. Je pense qu'on fera ça dans un prochain épisode. Juste, je cherche une autre quête. C'était la quête. Qu'est-ce qu'il y a un espace, machin. Hop, hop, ok. Donc, ça, c'est le. C'est le. Comment vous appelez ça? C'est le garage de. De ce petit bonhomme. Ce petit bonhomme. Qui se trouve. Ici. Ici même. Le U-Shortit. Le Stortit. Stortit. Hop là, allez. C'est lequel celui de monsieur. Monsieur McKay. Oh putain, le bordel. Oh, y'a. Oula. Oula, le freeze. Ok. Ok. On peut tout péter, c'est rigolo. Ok, bon. Donc, ce qu'il me faut, c'est. C'est quoi? C'est. Attendez. D'accord. Donc, c'est ça qu'il me faut, non? C'est un truc là. C'est bon, je crois. À partir de ça, je peux rentrer, non? Non, non, c'est pas toi que je voulais taper. Oui, bon, allez. Hop. Je sais pas. Je crois que c'est ça, l'item. I. Quête. Pénétrer dans l'espace, je retiens pour déposer son moniteur. Son moniteur, mais je dépose son moniteur. Il est marrant lui. Je dépose où son moniteur? Un endroit genre ici. Non, c'est bizarre. Où est-ce qu'il faut le déposer le moniteur? Non. Où est-ce qu'il faut que je dépose? Je
J'ai bien une petite idée, mais... Il y avait un rayon là, bizarre, c'est affiché. Je sais pas où est-ce qu'il faut que je dépose, c'est horrible. Je ne sais pas. Aucune idée. Bon ben... C'est bizarre quand même. Ah. Ah ben voilà. Ah oui, le oh là là. Excusez-moi, c'est quoi dans le con de ne pas y avoir pensé tout de suite. Moniteur le PC quoi. Voilà. Mille excuses. Je n'y ai pas pensé dès le début. Inventaire. Carte. Non. Ouais. Ouais, je crois donc. Faut que j'aille rendre la quête à lui. Donc, faut se taper là. On va se taper ici. Donc, hop, on y va. I could swear I heard a voice coming up from the sewers. Okay. It said something like, "Here we go." Here we go. Alors, c'est à qui que je vais la rendre? C'est à lui, c'est à lui. Il est bien obligé. Okay, you threw that away from me? You might be thinking I still have a hoarding issue, but you'd be wrong. Mm-hmm. Would you like to be friends on Facebook? Non. Je voulais pas être ton ami. Non, j'ai eu un nouvel ami. Ça nous en fait 32 déjà. Ça nous en fait pas mal. Bon, on va se refringuer parce que là. On va s'habiller en. Hop là. Voilà. Bon, ouais. Voilà, on est déjà mieux, un petit peu plus comme ça, un petit peu plus comme ça, on est mieux. Voilà, on va prendre ça, c'est moche. Le menton, voilà. Voilà, parfait. On est quand même mieux comme ça. Et je me demande si on n'est pas niveau... Niveau 8, par hasard. Non, pas encore. Mais non, ça prend plus de temps que prévu, je crois. Ce que je vous propose, c'est qu'on va au postal de McKay, et puis on se dira au revoir là-bas. Tout simplement. Alors, le postal. Tac, 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 tac. Le petit postal. Post office. Is that your nose? Clé de McKay. Alors des poils plus bien. Petite pile. Super. Super cool. Là on a quoi là? Clé d'ancienne boîte aux lettres de chef. Ah là là. Bon ben je pense que... Que cela pourra symboliser la fin de la vidéo. Donc tiens toi, je t'aime pas. Et j'aime pas aussi ta fruit, je les éclate. Et donc je vous dis ciao, salut à tous et à la prochaine. Je pense que la prochaine fois ce qu'on fera c'est qu'on se fera cette petite quête qui se trouve ici. La quête de s'infiltrer dans le Taco Bell, le chantier du Taco Bell. Et donc je vous dis ciao, salut à tous et à la prochaine les amis.